I was told that you want to speak English. On m'a dit que vous voulez apprendre l'anglais. Eh bien, ça tombe très très bien, puisque j'ai développé un programme pour les primo débutants. Et puis, vous allez voir, ça va pas être compliqué. Pourquoi ? Parce que je vous prends par la main. Et on y va tout de suite, on ne peut plus attendre. Vous allez voir, c'est un voyage fantastique. À tout de suite. Alors, dans notre séquence du jour, nous allons conjuguer le verbe être. Alors, qu'est-ce que ça donne le verbe être en anglais ? On va le voir tout de suite. Alors, on y va. Je suis. En anglais, ça donne I am. Tu es. You are. Il est. Alors, attention, trois configurations pour il est. Si c'est une personne, c'est he is. Ou she is. He is pour un garçon. She is pour une fille. It is, c'est pour une chose, une voiture. It is a car. It is. Nous sommes, ça donne we are. Vous êtes, you are. Et ils sont, they are. Ok, bah, voilà, vous savez conjuguer être au présent maintenant en anglais. Tout simplement. À tout de suite.